Bienvenue à Sorbonne Université, que vous soyez primo-entrant ou déjà étudiant dans notre université. Je vous souhaite la bienvenue en tant que vice-présidente étudiante. Je m'appelle Bérangère Poncet, je suis étudiante en école d'orthophonie à Sorbonne Université. Vice-présidente étudiante, c'est quoi? C'est une étudiante qui est élue au conseil académique, mais qui est également la référente pour la présidence, pour tout ce qui est question concernant la vie étudiante et les étudiants eux-mêmes. Je peux également répondre à toutes vos questions durant votre année, que ce soit des questions sur votre formation, sur un problème particulier, sur des aides sociales ou même une question pour les associations de l'ordre de la mise en place d'un projet. Je suis accompagnée de 3 vice-doyennes élues dans chacune des facultés. Je m'appelle Angela Nozeda et je suis la vice-doyenne étudiante de la faculté des lettres. Je m'appelle Louise Herrera et je suis la vice-doyenne étudiante de la faculté de sciences et ingénierie de Sorbonne Université et aussi étudiante en master en alternance de biologie. Je m'appelle Clara Saino, je suis étudiante en 5e année de médecine et vice-doyenne étudiante de la faculté de médecine Sorbonne Université. Mon rôle, c'est de représenter les étudiants de la faculté dans leur formation et dans leur vie étudiante pour faire le lien entre les étudiants et les instances facultaires et universitaires. Pour s'assurer que la voix des étudiants est entendue. Notre rôle, c'est de vous accompagner, de vous aider, de vous conseiller et de vous orienter vers les bonnes personnes. Grâce aux différentes associations et aux élus ainsi que l'administration de la faculté, n'hésitez pas à nous contacter et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée. Je vous souhaite la bienvenue et une bonne rentrée 2020. Je vous souhaite une très bonne année, une très bonne rentrée à Sorbonne Université. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée universitaire. Profitez de votre année malgré le contexte sanitaire. Votre année sera riche d'expériences. Alors profitez et n'oubliez pas de vous protéger.